Bienvenue à Grandir Ensemble. Amen. Garde courage. Ne crains pas. Un chemin est déjà frayé pour toi et moi. Garde courage. N'abandonne pas. Pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habiter dans ta présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Amen. Allô, mon amour. Allô, chérie, ça va bien? Bien oui, toi. Moi, oui, merci. Quel beau chant, et c'est vrai, amen. Gardons courage, n'abandonnons pas. Qu'on pose ses pieds sur les traces de ses pas. Amen. Et vous savez, les traces de ses pas, c'est dans son amour. Et c'est ça qu'on va voir aussi à soir, que Jésus m'a mis à cœur, c'est en 1 Corinthiens 16, au verset 13. C'est écrit, « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Amen. Soyez des hommes fortifiés. Fortifiez-vous que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Oh, okay. » Ou on peut dire que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Et vous savez, et si on va voir dans 1 Corinthiens 13, on voit la définition de l'amour. L'amour ne soupçonne point le mal, l'amour supporte tout. Jésus même il a dit dans sa parole, vous savez, vous avez entendu dire que œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis au contraire, que celui vous frappe sur la joue, vous présentez-lui l'autre joue. C'est-à-dire de faire avec amour. De demander ce qu'on fait, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu veut que c'est de cette façon-là? Et on va avoir cette réponse. Parce que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Mais il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et si on aime notre prochain comme soi-même, on serait pas mal. À nous. Donc, on ne devrait pas faire de mal à notre prochain aussi. Qu'on pense à ça et des fois que, quand on réfléchit à ce que Dieu dit dans ses traces, et parfois, on sortient. On sortient parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'il faut. Que Dieu vous bénisse, on va terminer avec la prière. Oui, c'est ça, on sortient pour pas... c'est nos émotions. C'est quoi, j'ai dit? Nos émotions, il ne faut pas les laisser déborder. Amen. Dans des sentiments de peur, des sentiments de colère, c'est tous des bons sentiments à la base, mais quand ça déborde, c'est pas bon. C'est des faut pas essayer de l'excès. Non, c'est ça. Fait que, Seigneur, on veut venir te confier nos émotions, nos sentiments. Amen. Et on voudrait, Seigneur, que tu viennes les rendre équilibrés, afin qu'on puisse justement marcher dans la charité. On veut que tout ce qu'on veut faire, on veut le faire avec amour, avec charité, avec bonté, avec bienveillance. On veut être rempli du fruit de l'esprit. On veut être ferme dans ta parole. Ce que tu dis, on veut que ça soit dans nos vies. C'est ça, c'est ça. Qu'on soit fortifié dans ta parole. Qu'on ne soit pas ébranlé par l'ennemi qui vient nous conter des mensonges. Qu'on soit vraiment... Amen. Qu'on puisse savoir déceler le mensonge de l'ennemi afin qu'on puisse marcher puis qu'on puisse aller conquérir les âmes perdues, qu'on puisse aller conquérir ceux qui ont besoin de toi, Seigneur, les malades, ceux qui font des mauvaises vies, ceux qui ont des qui sont pas sur le bon chemin, ceux qui ont eu une vie difficile puis sont maganés puis c'est dur pour avancer. Fait que permets-nous de pouvoir aller chercher ce beau monde-là avec ta amour.
puis avec vérité, avec toi, Jésus. Au nom de Jésus, amen. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus, soyez pleinement bénis dans toutes les sphères de votre vie. Oui, soyez fortifiés comme il est écrit dans le verset, puis on vous aime fort. Soyez bénis, tout garni. Extra fortification. Amen. Mouah. Bye tout le monde. Bye.